qu'on commence. J'ai une question avant qu'on commence. Je devrais-tu faire la forêt, puis ensuite tous les trucs? Revenez à tes recherches de jeux à Steam. Et tout, juste te dire que j'ai hâte au cinéma cadeau dans le temps des fêtes. Mais ça, Madge, à moins que c'est la première année que ça fonctionne pas, tout est déjà réfléchi. Admettons qu'il n'y a pas de nouveau jeu, je vais faire du rétro cinéma cadeau, genre. On sortira les vieux jeux des Schtroumpfs, on sortira les vieux Astérix, tous ces vieux jeux-là. Puis au pire, je sortirai les jeux qui sont sortis, genre, là, 2-3 ans, puis je ferai un vrai let's play complet. Genre, comme les Schtroumpfs, j'ai jamais fait un let's play complet. J'ai juste fait une heure, puis on a ri, parce que la voix était incroyable. Mais là, cette année, il y a un nouveau jeu de Schtroumpfs qui ressemble à un Mario qui sort, un Mario 3D World. Il y a les deux jeux de Schtroumpfs que j'ai toujours pas fait. J'ai du backup, là, tu sais. Ben ouais, moi aussi, j'ai hâte. Moi, je ferais les trucs avant. Ouais, mais il y a des quêtes, apparemment. C'est ça, ma question. Il y a des quêtes qui se déclenchent pas, apparemment, avant la forêt ancestrale. Ouais, au juste que Zelda enlève pas ses masques anti-pandémie parce qu'elle est en mode danseuse du ventre. C'est pas vrai? OK. Bon, mais c'est pas vrai. Allons-le maintenant. OK, il y a un cœur. Tout fini avant la forêt. Parfait. J'ai aucune idée combien de quêtes j'ai. On va regarder. Alors, ça part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Pourquoi tu comptes le lendemain? Parce que j'ai pas envie de me fourrer. Pourquoi c'est aussi... Je sais pas. Je pense que c'est juste moi qui a l'air d'un épée. Salut, Nixie. Bon. T'en manques 3. Ah, parce qu'il y en a 47. C'est ça? Ça doit être lui. Homme d'âme, la princesse devient quoi? J'ai pensé à un Zol que personne n'a encore jamais vu. Tous les Zol que tu m'as montré jusqu'à maintenant étaient super mignons, mais il doit y avoir un Zol totalement unique. Pas juste mignon, mais aussi super original. Si tu trouves un Zol hors du commun, viens me le montrer. Je veux en voir un mignon et original. Hein? Ces conneries-là, genre j'ai pas d'autres hommes. Ce sont mes hommes. C'est un Zol, ça? C'est un blob. Ça compte-tu comme un Zol? Moi, je vais y aller comme mon Zol. Non, laisse pas te montrer mon Zol. Comme un Zol, ça. Come on, le jeune. C'est tout gluant. Comme un Zol, ça. Non? Mais je sais pas, c'est... S'il y a pas... Ça veut dire je sais pas? Un Zol, mais super spéciaux, comme si on avait modifié un. Je vais prendre celui d'eau. Puis je vais. Check bien ce que je vais faire.
prendre celui d'eau. Puis je vais souffler dessus. Il attaque pas. Ben oui, mais c'est con, ça. Comment qu'on pourrait le transformer en... Ça pourrait être une bonne idée, ça. Je l'ai tué. Cherche trop loin pour passer à la fois. Le Zol était dans l'écran. Il était dans l'écran, je comprends rien. C'est pas ça qu'il veut, les gars. Mon inventaire. Peut-être j'ai-tu un Zol en bas? Ah oui, c'est vrai, j'ai cette affaire-là! Ça, c'est... C'est un Zol? Wow, il brille! Il est même pas dans mon encyclopédie, celui-là! Tu l'as trouvé où? Il est génétiquement modifié. Quoi? C'est quelqu'un qui l'a fabriqué? Eh ben, dis donc, tu dois rudement bien... Il doit bien rudement bien s'y connaître en Zol, celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai changé sa voix. Merci beaucoup, madame la princesse. Tiens, je te donne mon trésor. T'en prends soin, hein? On s'en revoit plus. Quand je serai grand, j'étudierai les Zol pour tout savoir sur eux. Et je deviendrai ami avec des Zol dans tout Hyrule. Et mon métier sera... Zolologue. Oh. Maudit têteur. Bon, ok. Ça, c'est fait. Next! Il semblerait qu'il y en ait un là. Téléportons-nous. J'ai l'œil qui va exploser. J'aurais dû mettre des gouttes dans mes yeux. Pire que étampin. C'est facile de faire une voix de têteur, je trouve, dans ce jeu-là. Genre, on dirait que ça m'inspire. Je regarde leur tête à claque. Puis j'étais en mode, ça, c'est une voix de têteur, ça. Attends une minute. J'ai-tu... C'était peut-être là. Ah, ok. J'en reviens pas. On l'avait pas vu. Next! Prochaine étape. Attends une minute. C'est ça, lui, là. Ça va bien, là. Ça avance de même. Ça avance de même. Grâce au plan. Ça, là, il est spécial. Ok, il est spécial. Alors, pour ceux qui veulent savoir combien de temps ça va prendre avant qu'on termine le jeu, puis qu'ils veulent voir la fin... Ah, ça va être ça. Ça va être un boss. Ah! Attends une minute, faut que j'aille mes sandales pour pas caler dans le fond. On va mettre... Faut mes sandales. Tiens, toi, parfait. Ben non, mais c'est vrai, faut que je tire. Ah oui, ça me revient, là. Ça me revient. Mon Dieu! Donne-moi mon cœur, donne-moi mon cœur! Wow! Il remonte! As-tu vu ça? Le Linel, il remonte! Wow! Bon. Là, on a battu un monstre. J'imagine que là, il faut que j'aille au village dire à tout le monde que j'ai battu le monstre. Salut, joli cœur. Bonsoir.
Mets tes sandales. Moi, j'aimerais voir Névrose faire Zelda Twilight Princess. Ah oui, il y a un autre Zelda back-à-back. Encore une fois, je suis fucking down hein, de faire Twilight Princess. C'est juste que j'attends que Nintendo le sorte sur la Switch ou la Switch 2. Parce que sinon, il va falloir que je fasse l'émulation avec Simiu. Il faut que je fasse l'émulation Wii U, puis là, que je l'émule, puis là, aïe, 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 aïe. Il y a Majora aussi, Majora Mask, faudrait faire. Tous les Zelda, les amis. Tous les Mario, tous les Zelda. Salut Dame Cola, bonsoir. Tous les jeux. On s'entend que tous les Mario, ça s'en vient pas mal une réalité sur la chaîne. Tous les Super Mario, par contre. Ah! Yeah. Zelda, est-ce que tu as déjà entendu parler de des lamolasses? Je suis pas trop sûr. Ces monstres mille pattes immenses créent des tempêtes de sable et l'un d'eux est apparu. Nous nous sommes portés volontaires pour éliminer le lamolas. Lamola. Ok, faut pas prononcer le S. Lamola. Celui qui est apparu est redoutable. Celle qui le terrassera deviendra une véritable héroïne. Alors, mon ami et moi, nous sommes lancés le défi de voir qui le vaincra la première. Je maîtriserai l'entraînement Gerudo ancestral hérité de nos aïeuls et je vaincrai l'Amola. J'ai de la misère, là. Ah oui? Aucune chance. Par contre, la technique spéciale que j'ai mise au point fonctionnera. Qu'a-t-elle de si spécial, ta technique? Tu ne fais qu'agiter ta lance dans tous les sens. Et ton entraînement ancestral, on en parle? Tu frappes comme une grand-mère, ça oui. Bref, celle qui bat l'Amola remporte la victoire. Si tu veux gagner, il faudra réussir à me surpasser. Mal trouvé. Attends une minute, à moi qu'on le fait pas là. Attends une minute, peut-être que je suis parti trop vite. Moi, j'ai retourné dans le désert. Non, mais c'est quand même, on s'en fout. Mon ami et moi, nous sommes... Mais me semble, moi, j'aurais mis une virgule. Ça se pourrait-tu? Me semble que c'est weird comme phrase. J'ai rendu correcteur de... chez Nintendo, dans mes temps libres. Non, c'est vraiment de même. Ah, peut-être qu'il faut retourner au début. Bientôt tous les cas. Ouais, ça se passe là, là. Ah, il est revenu. Mes sandales, il est où? Wow! Ah, on est sorti de la zone. Ah, il est juste à la même maudite place. Ok, parfait. J'ai une affaire dans mon truc qui fait en sorte que je... Le recul des attaques, c'est ça qu'il me faudrait, oui. On va tester. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Aïe aïe. Il a donné un coup quand il était en train de snayer. Wouhou, le cœur.
On a tous les cœurs, mesdames, messieurs. Wow. Incredible. Ça va très très bien. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Toutes les pierres de pouvoir. Toutes. Toutes. Bien joué, Milou! Et ça va faire un an qu'on a joué à Tintin, ça vous a tellement marqué cette affaire-là. Donc là, il va rester juste une quête. Je sais pas si c'est laquelle, mais on va sûrement la trouver en ramassant les cristaux. Ok, là. T'en as combien sur toi? On va regarder ça après. Les cristaux, là. Hein? Aïe. J'ai mal au dos à force de tournoyer autant. Si tu ne supportes déjà pas ton entraînement, tu n'as aucune chance de vaincre l'Amola. Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu avais des crampes dans les bras tout à l'heure? Est-ce que tu as besoin d'aide? Je l'ai battu! Quoi? On dit quoi? Tu as vaincu le Lamola? Le Lamola? Et toute seule? Et j'ai du mal à te croire. Ah oui, il faut que je voie ça de mes propres yeux. Oh là. Et je viens avec toi! La tempête de sable est disparue. Elle a vraiment vaincu le Lamola. Oh! Elle nous a devancés. Et vous deux? Dame... comment elle s'appelle? Facette, ouais. Dame Facette! Vous vous vantiez tant que vous alliez vaincre le Lamola que vous n'êtes jamais sorti d'ici. Je devais m'assurer d'être suffisamment entraîné avant d'affronter un adversaire aussi redoutable. Et moi aussi. Vous vous entraîniez? Et ces entraînements vous ont-ils apporté quelque chose? Oui, j'ai gagné du muscle. Je vois. Si ça vous a été profitable, c'est le principal. Cependant, il est important de respecter ses engagements. Ne l'oubliez pas. Et c'est compris, Dame Facette. Et je connais votre potentiel, alors je vous en prie, ayez confiance en vos capacités. Oui, Dame Facette. Oui. Zelda, tu nous as aidés une fois de plus. Je t'en prie, accepte ceci pour avoir éliminé le Lamola. Hein, c'est quoi ça? J'ai obtenu un pareo doré. Ce pareo bien utile, tissé de fil d'or, permet de résister au vent violent. Mais il n'y en a plus. C'est une ceinture faite de fil d'or. Je suis sûr qu'elle te sera utile. Encore une fois, merci d'avoir vaincu le Lamola. Le Lamola, le Lamola. Je vois pas intérêt. Tudu, tudu, tudu. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. T'aurais qu'à en avoir 14 dans tes poches. 13! 13! Oh oh, il y a un problème. Sur ta carte, comment tu fais pour savoir ceux que tu as trouvés et ceux que tu n'as pas? On peut pas le savoir. Catherine m'a fait une carte interactive made in. Merde, il me manque un corps de. Je sais pas où. Deux corps, ouais. Je vais te partager ma map. T'es-tu dans le Discord, Anev? Sinon, tu peux juste écrire Echo of the Wisdom Map Interactive sur Google. Puis tu peux voir tous les cœurs. Je viens d'arriver à la maison, je vais regarder une couple de shows avec ma mère. Je lurk pour un petit bout parfait dans le coin là. Bon lurk. Faut 25. Oh, made! Oh! Une cacarte. C'est ça, c'est une cacarte. Ok, on va commencer par le début. Il semblerait qu'au sud d'ici, il y en a un qu'on a manqué. Semblerait.
Ça devrait sonner. On n'est pas à bonne place. Fuck. J'en ai 13, puis j'en ai fait 11. Ok, c'est parfait. Oh, ça sonne pour de vrai. Ça doit être là-dedans. Ça doit être dans le vieux tas de sable. Il me faut le truc pour souffler. Easy. Alors, check, on va faire un test maison, le chat. Le test maison, ça part. On se fait pousser vraiment très très fort. What? C'est quand même fort, genre pour vrai, c'est quand même bon ça. Waouh, c'est impressionnant. Pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Mettre ça pour le défi de momie. Ah non, je peux. Ben, en tout cas, moi, je peux plus le faire. Je l'ai déjà réussi. Ok, next. Next sur la carte, c'est. On va dire ici. Ouais, on va y aller comme ça avec le bas de la carte. Puis après ça, je vais monter. Je vais faire gauche. Je vais faire la gauche. Oh, ça sonne! Ça va être dans l'eau, là. Ah, il y a son tannant. Il me faut quelque chose qui va pas se noyer, là. Cette affaire, là. Ah, ça va être l'herbe dans le milieu. Ah ouais, c'est ça. C'est subtil, ok, good. Maintenant, ok, on va remonter. C'est lequel qui manquait sur... Peux-tu m'envoyer une deuxième carte ou... Ah, c'est là, il faut que j'aille. Ah, c'est cela. C'est cela. Ah ouais, ok, je le vois. Quand même, genre c'est... Je me suis fait avoir parce que je le voyais pas parce que je pensais que c'était un élément du décor, genre. Ok. Je crois que les étampes, on s'en fout. On va les enlever, les étampes. Attends, mais le nord de même. Ok. Il est en blanc sur la map GSM. Il est pas barré en rouge, ok. C'est bon jeu, là. C'est très bon jeu, là. Je pense que c'est dans mon... Ça va être dans mon top de l'année, hein, facile. On a ça, je suis en train de m'écouter. Une citrouille. Ah, elle allume! C'est donc bien nice. Je comprends pas, la nouvelle carte que tu viens de m'envoyer, c'est quoi? Il est où le nouveau? C'est-tu comme une spirale bleue, genre, que t'as faite, genre? Ah, je pense que oui. Ok, c'est bon, je le vois, il est dans le bois. Dans le milieu de la map. Fait
qu'on va faire l'Ouest. Le fait avec ton iPad, le crayon du iPad. Ah, je pense qu'il reste au moins un petit 30 minutes, puis on l'a, là. Je pense que c'est en haut. Ça va être ça, je vais essayer. Ah, même pas? Hein, c'est pas là. Je vais aller là. Non, on peut pas... Ah, ok, je le vois. Ok, c'est pour creuser. La taupe. Je le vois. C'est subtil. Ok. Next. À côté du pot, à côté du vendeur, dans le village. Attends, il y en a un dans le village, puis il y en a... Ok. Ah, ça sonne, ça sonne. C'est subtil. Ça fait deux que j'avais pas, puis c'était pour creuser, quand même. Et Tempin qui finit sa... Il finit sa carrière à cet endroit-là. Ah oui, mais là, c'est là, genre. Ah, je pense que j'ai jamais été à cet endroit-là. Simplement. J'ai skippé cet endroit-là. Ok, ça c'est complètement à l'extrême ouest. Ah, what the fuck, c'est quoi cette diagonale là? J'ai jamais appuyé pour le bouton en haut. Il est venu tout à l'heure pour un cœur ici. Ok, ça marche pas. Lâche pas. Ok, ça devrait être là, là. Ah, ça doit être la roche. Dis-moi que c'est la roche. Ah, c'est la roche. Ok, parfait. Maintenant, le château d'Hyrule. Ça a l'air subtil, le château des rues, je suis pas sûr de ça. Le château! Le château! Le truc de la tombe, exactement. J'ai pas eu besoin d'aide pour tout trouver. Mais vous êtes bons, les gars, alors je sais pas. Moi, c'est que j'ai pas envie de mettre 50 heures de stream là-dessus. Je suis pas obligé de faire ça, hein. J'ai dit à Catherine, ça me tentait pas de faire ça. Mais elle a dit, ben, je vais te le faire, fais-le, s'il te plaît. Je suis ok. En stream, j'aurais jamais cherché. Genre pour faire plaisir à Catherine là, que je fais ça. Puis aussi parce que je me dis que bon, y a peut-être du monde qui veulent. Y a peut-être du monde qui veulent voir ça. Pour être sûr de closer le stream. Ah, ok, ouais, je le vois. Je pense pas que j'en ai vraiment besoin de ces affaires-là. Moi, je veux juste que ton jeu soit 100% parce que ça me satisfait. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Puis vu que c'est genre environ 30 minutes, même pas une heure, avant que le monde arrive, ça me dérange pas.
Mon jeu est 100%. Ah, oh, mais vous avez fait quoi, genre, pour le faire 100%? Vous avez ratissé la map, genre, quand vous avez pas trouvé? Vous êtes parti, vous avez monté en haut, monté en bas? Moi, je ferais pas ça. Moi, genre, ça me satisfait, là. Moi, genre, j'avais assez de trucs, j'avais... J'ai l'impression que j'allais arriver... Déjà, j'ai l'impression que je vais arriver devant le boss de fin, me le démonter, là. Ah, c'est bien niaiseux. Ah, c'est la seule fois qu'on a une affaire de même, c'est bien étrange. J'aurais voulu le voir, le 100% de Princess Peach, pour trouver le... Mais c'est pas bon, aussi. Non! Hein, what the fuck, ça fait deux fois que ça? C'est bien étrange. On n'a jamais ça dans le jeu. Salut, Payback. Salut, Frank. Bonsoir, bonsoir. Moi, ma cloche est checkée dans chaque recoin. Ouais, moi, c'est... Ça me satisfait pas tant que ça de faire ces... Ben, tu sais, comme je le fais, mais... Je dormirai pas mal la nuit, là, tu sais, je le fais pas. Genre là. C'est ça m'a pris 3 heures seul, pas de... Oh shit. J'ai oublié ça, j'aurais jamais fait ça durant 3 ans. C'est plus par là, je pense. Genre là. Ça va être la roche qui est là. La vieille roche, la vieille tabamnouche de roche. Il en reste un. Genre là. Mais le pont, il est là. C'est genre là. Ah ouais, ok, c'est creusé encore. Maudit niaisage de creusage. Bon, ben on les a toutes! Let's go! Ça a pris quoi? Ça a pris 30 minutes? Avec le guide? Shit, tu fais... Ouais, j'en ai 25 dans mes poches. C'est où elle est? Ouais, ouais. Genre là. J'ai dû sûrement avoir pris une ou deux heures chercher le reste. Ouais, mais les gars, là, t'sais, comme en stream. En stream, on va jamais faire ça. C'est genre... Niveau divertissement, c'est genre on est limite à côté du zéro, là, genre. Dites-vous, là. Si, mettons, genre, j'ai pas le guide que Catherine m'envoie, soit que je le fais pas. Un, je le fais pas. Deux, je le fais à ma manière, c'est-à-dire je pars d'en haut, puis là je descends à la map de même. Puis là je remonte de même. Puis là je remonte. Puis je repars. Puis là je remonte. Puis je repars. Je remonte. Puis je repars. Je pense que un stream complet avant ça, c'est pas intéressant. C'est inintéressant, genre. Comme vous allez, mon seigneur de la névrosité, ça va très bien, tout est fin. Il y a une map interactive sur Internet. C'est quoi qui dit Bintou? En même temps, une map interactive avec pas évident de savoir ceux que t'as déjà pogné, ceux que t'as... Ouais, c'est ça, genre. Mais avec le 100% de Princess Peach, t'aurais eu la robe avec du rose un peu plus rouge. Ah ouais. Ah, sac. Ah, sac, ça m'aurait tellement intéressé, ça. Bon. Oh! Je vois que vous possédez 25 cristaux de puissance. Je pense pouvoir en faire quelque chose qui devrait vous intéresser. Qu'en dites-vous?
Très bien. Je vais vous fabriquer une petite merveille dont vous me direz des nouvelles. Là, je sais qu'est-ce qui arrive, parce que Catherine me l'a dit hier, parce que j'ai dit ça vaut-tu la peine de faire 100%. Je l'ai laissé devant la maison. Allez-y, jetez un coup d'œil quand vous aurez le temps. Et c'est un véritable concentré de cristaux de puissance. Puis elle m'a dit que c'était nul, puis je confirme que ça, c'est nul, je suis désolé. Alors les amis, vous allez là. Ça vous redonne genre de la barre bleue. Ça là, tu te fais chier à faire toute la map là, ok? Ça, tu te fais chier à faire toute la map, à aller pogner tous les trucs. Ça te redonne juste de la barre bleue. Alors que je vous rappelle que le jeu, tu mélanges du lait pis du sel, pis t'as cette affaire-là qui est genre houpi. Tu peux faire même pas un écho à rien. Pas une barre bleue infinie? Ben oui, mais là c'est quoi de bon? Un caca d'or pour toutes les... Non, mais c'est s'arrêter. Non, mais je trouve que c'est bien, là. C'est juste que, bon, ça arrive peut-être un petit peu tard dans le jeu. Très bien, merci. J'arrive du hockey. Je noie ma peine dans des pâtes carbonara. Tu noies ta peine? Vous avez encore perdu? Ah, puis des pâtes carbonara. Miam, miam, miam. Ça, c'est une bonne offre. J'ai touché une fois. Bon, mais les amis, ça part maintenant qu'on a fait 30 minutes. Ça nous a donné un petit 30 minutes de plus de jeu. Je m'enligne pour finir le jeu, les amis. Maintenant, on fait toutes les frapper. Ça donne quoi? Rien? Montre-moi la map encore. Est-ce que tu veux que je mette d'autres affaires, Gab, dessus? Est-ce que tu veux que je mette les autres trucs? Confirme, c'est 100%. T'as-tu toutes les quêtes? J'ai aucune idée, les gars. Je sais pas comment faire pour avoir toutes les quêtes. Y a pas... Je vous le dis, là. Je le répète. Je le souligne. Je mets un point d'exclamation à la fin de la phrase. Je l'encadre sur un mur, puis je l'amine. Puis je le frotte à chaque soir avec du bleach pour le faire briller. S'il y avait un NPC dans le jeu... qui dirait une liseuse de bonne aventure comme dans les autres jeux, qui dirait allez à tel endroit et vous avez pas fait ça, genre. Je le ferais. Pourrais la faire à la fin. La quête qui manque est dans le domaine des auras, de ce que je pense. Ben oui, ben ouais, ben fini le jeu, on s'en reparle. Le téléphone. Il y a déjà l'asset pour le téléphone qu'on a dans Link's Awakening avec. Pepe Ramolo, je sais pas trop quoi. Hein? Salut, c'est Madonna. Si vous voulez que je fasse la quête, les gars, vous m'envoyez où ce que. Vous m'envoyez là, genre, puis je vais essayer de la trouver. Et où? C'est live, Iros. Dans le domaine des auras. Il y a deux domaines auras. Celui des rivières, celui de la mer. Lequel des deux? La mer? La mer, ok, parfait. Oh, je sais, ok. À l'extérieur, je pense, la quête... Ce random-là, il dit rien. Ah, oui. J'ai l'impression que Dame coucha, mais vite. Qu'est-ce qui lui prend si soudainement? Et j'ai dû faire une erreur. Elle doit penser que je ne suis pas un assistant sur qui on peut compter. Oh, Dame Zelda, vous me surprenez dans une bien embarrassante situation. Voyez-vous, Dame Kusha se conduit de manière fort étrange ces derniers temps. Elle quitte souvent le village depuis
depuis que la faille a disparu. Mais quand nous l'interrogeons à ce sujet, elle nous répond que ce n'est rien d'important. Cela dit, j'ai découvert que Dame Kusha discutait avec le seigneur Drad d'un mystérieux sujet. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ils sont amis depuis bien plus longtemps qu'ils ne sont chefs. Mais d'habitude, elle fait aussi appel à nous. Elle les aura des mères. Tout cela me gêne un peu. Dame Zelda, pourriez-vous aller demander au seigneur Drad quel est le mystérieux sujet de leur discussion? Peut-être obtiendrez-vous une réponse, mais je crains qu'elle ne lui ait demandé de me le cacher. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez en retour. Aidez-moi, je vous en supplie. On va aller voir l'autre. C'est la last one qui est parfaite. Dernière quête, les gars. Donne-le-me-le. Refais-le-moi-le, comme disait RBO. Refais-le-moi-le. Non, c'est moi qui lis mal, en fait. Oh, chef! Je suis l'assistant du chef depuis quelques semaines. On est ensemble tout le temps. Mais là, je suis plus capable. Il m'évite. Il échange des messes basses avec Kusha. Pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Je suis nouvelle. J'apprends et je comprends qu'il ne me dit pas tout. Mais ça commence à faire. Ça arrête pas. À ce stade, je suis plus triste. Je suis en beau fusil. Hein? Tu veux savoir où est le chef? Je sais pas. Demande aux autres auras des rivières du village. Je l'ai vu parler à certains d'entre eux. Peut-être qu'ils sont au courant de quelque chose. Je parle comme... j'ai décidé que ça allait être ça vu qu'il y a la vieille trompette. Ce papier à lettres... C'est pas là-dessus qu'écrivent les auras des mères, enfin, je crois bien. Salut Zelda, tu veux savoir où est parti Drad? Tout ce que je sais, c'est qu'il a reçu une lettre et qu'il est parti aussitôt. Bon, ça y est, ils sont en amour, là. Le roi de la rivière, la reine des mers. Ou, ça je sais pas, mais je l'ai vu parler avec Boka. Il est peut-être au courant. Par contre, Boka est parti lui aussi. Et je sais pas où non plus. Demande aux autres auras. Il y a des chances qu'ils puissent t'en apprendre un peu plus. Tout le monde s'est prêté main forte pour réparer et ce qui est cassé. Et les maisons, les ponts. Je suis devenu copain avec un Zora des mers qui était venu. Je m'en calisse. You le roi. Drad, ok, lui, il y a une bulle au-dessus de la tête. Tu cherches Drad? Il est parti en coup de vent, en plein milieu de notre conversation. Boka, c'est peut-être où il est allé. Boka est parti pêcher à l'est du village, mais je suis sûr qu'il est en train de niaiser dans un coin. Faut trouver Boka. Névrose de narration 2.0, vous êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour le Mario et Luigi. À l'est du village. Moi, j'habite à l'est de Montréal. Ça devrait être... Ah, ça doit être lui, Boka. Il est jaune un petit peu, Boka. Ouah, tu m'as trouvé! J'étais en train de flâner. Je le jure. J'étais pas en train de flâner, je le jure. J'étais sur le point de commencer à pêcher. Oh, c'est toi, Zelda! Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu veux savoir où le chef est parti? Ah, je suis pas complètement sûr. Il a parlé de Dame Kusha. C'est une supposition... C'est quoi? C'est une supposition, mais...
Quoi? C'est une supposition, mais il s'est... Il s'était... S'ils étaient dans la grotte de la Bézora. Le chef Ekusha avait l'habitude de jouer là-bas depuis qu'ils étaient en âge de nager. Avant, c'était l'endroit idéal pour faire la course. Mais en ce moment, c'est infesté de monstres. Alors, Mario Rock. C'est qui Mario Rock? Je connais pas de Mario Rock. C'est-tu genre les personnages dans... Mike Ward, là? Poudy et Shabba. Hey, le gros! Non, c'est pas ça, c'est ça? Je m'en rappelle plus. Je sais pas comment il parle Mario Rock. Je sais comment il parle Mike Ward, pardon. Hey, le gros! L'autre parlait un petit peu comme ça, là. Hey, si, y'a un coffre! What the fuck? J'ai jamais été là! C'est un hippocampe! Un cheval de rivière, désolé. J'ai assumé son genre. Le bon vieux temps de la musique plus le soir. J'ai jamais vraiment trippé sur... sur Mike Ward à l'époque, genre dans... Ah, oh, Dame Zelda, désolé d'être parti sans prévenir. Vous savez, j'ai aperçu Dame Kusha et je l'ai suivi jusqu'ici. Puis, Inawa est arrivée elle aussi. Il semble que le Seigneur Drad évite également Inawa. Nous sommes dans le même bateau. Nous attendons tous deux le moment important pour demander à nos chefs ce qui se passe. Le Drix, ça vient. Allô, il te reste quoi à faire? J'ai les 100% samedi passé. Je l'ai même unlock les shit avec les trois amiibo tant qu'à toute fin. Ah oui, c'est quoi qu'il faut faire avec les amiibo? Oh, j'étais sûr que c'est cette quête-là que t'as pas fait. Je sais plus, on parle. À qui c'est pas moi, on parle. Je devrais prendre une assistance IA pour lire les dialogues. Ah ouais, c'est vraiment si mauvais. Hein? Yeah. Oh, Zelda, qu'est-ce qui t'amène ici? Quoi? Inawa et Rogma ont dit qu'on se comportait bizarrement? N'importe quoi, pas du tout! Mais bien sûr que si! Ah, je m'en rappelle plus de sa voix. C'était comment déjà? Je m'en rappelle plus. Inawa, je t'en prie, il ne faut pas... Je veux une réponse et je la veux là, tout de suite. C'était comment sa voix? Je sais plus. Chef, c'est quoi l'idée là? Pourquoi tu m'évites? Et c'est quoi ces petits secrets avec Kusha? Je suis peut-être nouvelle, mais... je suis peut-être nouvelle. Comment j'ai fait ça? Je suis peut-être nouvelle, mais c'est mon travail. Soit tu me laisses le faire bien, soit tu me... Soit je le fais pas. Ouais. Tout à fait. Je pense exactement la même chose. Évidemment, certains sujets ne concernent que les chefs, mais nous sommes là pour vous aider. Désolé. Tu le fais en Pierre Bruno? Je me mêle d'un personnage complètement perdu. Bon, voilà la vérité. Nous deux, on veut trouver un moyen de vous remercier, vous deux. On sait pas encore comment, mais c'est à cause de vous, de nous, si vous vous êtes retrouvés en danger. Nous voulions y réfléchir ensemble, pas en tant que chef, mais en tant que Kusha et Drad. Nous voulons que ce soit personnel, alors nous essayons toujours de trouver ce qui serait idéal. Mais on dirait qu'on a bien raté notre coup. On voulait pas vous causer encore plus de soucis. En tant que chef, il est souvent difficile pour nous d'être francs et d'oublier notre rôle. Ok, passe-partout. Alors, Rogma. Ouais. Oui. Merci de m'avoir sauvé. Et je suis loin d'être parfaite, mais j'espère que tu accepteras de continuer à m'aider. Et Dame Kusha, mais évidemment, rien au monde ne pourrait me rendre plus heureux. Et merci à toi aussi, Inawa. Tu me connais, moi, je fonce et j'ai tendance à pas faire attention aux petits détails. Alors ouais, merci de me sortir du pétrin avant que je m'y emprunte. Je m'empêtre. Inawa. Chef! 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 Je sais plus comment faire la voix. Chef! Chef!
Ça me fait tellement plaisir que je vous disais ça. Je sais plus comment faire ça. Bon, j'ai mis un effet dessus. Mais c'est vrai que vous pourriez foncer un peu moins et réfléchir un peu plus. Oh là là, je suis soulagé. Je vais travailler deux fois plus dur pour t'aider à tenir la barre. On dirait que tout le monde s'est réconcilié. Oui, Passepartout. Merci, Passe-Montagne. On est des petits amis, puis ça fait des papillons dans mon ventre. Wouhou! Ben content. Tout est bien qui rentre... Tout est bien qui finit bien. Toi aussi, à la maison, ça va bien, hein? C'est la pire carrière. Et pour vrai, je suis... Les auras, man, ils me sortent par les oreilles, genre. Je déteste les auras dans ce jeu-là. C'est vraiment des petits... Une broche! Ah, merci! Alors, apparemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Ah oui! Ça casse des objets au bas des... Ok, il y a plus souvent d'objets. Oh. Je sais qu'est-ce que tu parles, ouais, je sais, faut pas que je le dise en stream. Faut pas que je m'énerve, là. Alors, plus de rubis, plus souvent. Ok, cool! Je mets les deux races dans le même panier. Tout à fait. Bon, maintenant, on continue. Pour vrai, les auras, là, vous me posez la question, là. Le bout que j'aimerais le plus skipper dans ce jeu-là, les auras, le temple de l'eau, puis les quêtes secondaires des auras. Sérieusement, genre, tout le reste, je trouve, c'est vraiment bien, c'est bien le fun, là. Mais les affaires de réconciliation, ben là, on était vraiment, vraiment stupides. On s'excuse. Plus capable. Je veux plus n'entendre parler des auras. Dans ce jeu-là. Ça me sort par les oreilles. Oh shit! Ben oui, c'est vrai, il y avait Dex. Ben oui, Général Dex. Tout va bien, Dex? Oh, aïe, aïe, aïe. Votre Altresse. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous n'étiez pas allé de main morte? Vous n'y êtes pas allé de main... Ah oui, c'est vrai, parce que oui, il y a l'écho, oui, je me rappelle. Oui, c'est vrai, le méchant a fait un écho de Zelda. Ok, excuse-moi, je me rappelle plus. Tout ça à la maison, t'as oublié, hein. Et c'était un écho? Ah! Je me suis fait berner comme un débutant! Et quelle erreur impardonnable! Mais où a pu bien passer cette fausse princesse? Une minute. Si je me souviens bien, la dernière fois que je l'ai vue, elle examinait cette stèle. Stèle. Et pas de trace d'un arbre sacré par ici. Il faut peut-être s'enfoncer encore dans la forêt. Quand les six piédestaux seront couronnés, la voie s'ouvrira. Pour couronner les piédestaux, utilise le pouvoir des échos et prouve ta sagesse. Hein? On va faire une triforce, on va faire un Cheeto, je pense. Oh non, va falloir revenir. Peut-être qu'il y a des boules ailleurs. Des boules ailleurs. Il a dit couronner. Quand les six piédestaux seront couronnés, la voie s'ouvrira. Ouais. Couronner les piédestaux, utilise le pouvoir des échos et prouve ta... Ah, ok, ouais, ok, ok. C'est juste, j'avais pas catché. J'avais oublié qu'on pouvait faire des... Non, excusez-moi. Okay. Ah, fait que tu peux pas finir le jeu, genre, bon niveau. Faut un certain nombre de Doritos.
Ah, mais là, je peux pas garder mon linel. Mais pensez proche d'une catastrophe, pareil, la seule... catastrophe! Si, moi, ça me en prend pas beaucoup. C'est-tu moins, là? Catastrophe, genre, j'aurais pensé à côté, genre. Salut bête, t'as fini le jeu pis t'as pleuré. Hein? Il touche même pas on dirait. C'est un bug? Ah ouais, tape. Il y en a un qui est plus dans le milieu, dans mes souvenirs. Hein. Je l'avais vu, puis j'étais comme ah ouais, faudrait pas que je l'oublie. Ah, c'est ça. Faudrait que j'aille plus à gauche, je pense. Ah, il est dessus. Il est dessus! C'est subtil. Laissez-le donc chercher les boules. Mais là, j'aurais vu qu'à côté, il n'y avait pas de boules. Fait que j'avais dit, hein? C'est pas grave. Je suis sûr que... Je suis sûr, genre, de mon bord, là, je ne stream pas. Je suis sûr que je termine le jeu, les gars. Sûr. Ça fait une triforce. Oui, c'est ça. Wow. Ça ouvre le passage. C'est tellement nice. Un chemin. Bien, mes soldats et moi allons le sécuriser pour vous. Malheureusement, seules les personnes dont les déesses ont reconnu la valeur peuvent passer. Oh, je vois. Laissez-nous faire et faites tout ce que tu peux pour nous aider. On peut compter sur Zelda et puis je serai avec elle. Ensemble, on s'en sortira. C'est compris. Très bien. Dans ce cas, Votre Altesse, Seigneur Tri, nous comptons sur vous. Je retourne au château. Je continuerai à surveiller les monstres qui menacent le royaume. Votre Altesse, Tri, soyez prudent. Soldats, en avant, marche! 1, 2, 3, 4. En anglais, c'est plus Triforce, c'est Prime Energy. Ah ouais? Salut, Ego, ça vient toujours aussi. 404. Allons-y, Zelda. Vois que vous jouez en anglais. On va pas pour un Zelda. C'est l'arbre Mojo. Ou en bon français, en décu. Décuterie. Vous voilà déjà de retour, prêtresse. Alors, avez-vous obtenu le pouvoir suprême? Oh, cette personne n'était qu'un écho de vous. Le vieil arbre que je suis s'est bien fait berner. Moi, l'arbre Mojo, je veille sur cette forêt depuis des temps immémoriaux. On ne me trompe pas si facilement, et pourtant, ma clairvoyance n'est plus ce qu'elle était. On va-tu rentrer dans sa bouche pour un temps? Cependant,
Si elle m'a trompé, il n'en sera pas de même avec le pouvoir suprême. Entrez et assistez de vos yeux au jugement des déesses. Puisiez-vous garder force en votre cœur, prêtresse de la sagesse. Hein, c'est donc bien nice. Ruine ancestrale. C'est-tu le dernier donjon? Est-ce que la porte est déjà ouverte? Aha! Non, cette Triforce, c'est la vraie! Le Force 3! Faut l'arrêter! Alors le voilà, le pouvoir suprême laissé par les trois déesses. Il y a très longtemps, avant même que le temps ne soit, Inil... J'ai pas le temps de lire, c'était un endroit parfait pour Inil. Le néant n'avait besoin de rien d'autre que de lui. Tout allait pour le mieux. Jusqu'à ce que les déesses créent le monde, dérobant à Nihil le confort de son néant. Nihil ruina sans répit la trame du monde, mais toujours la réparaient les serviteurs des déesses. Jusqu'à aujourd'hui, à présent, Nihil peut restaurer son monde, le renvoyer au néant. L'heure est venue. Il est temps de retourner au néant, au monde dont Nihil a toujours rêvé. Pom, 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 pom. Pas de problème, on m'a voulu dans le chat, j'apprécie la cinématique. Quoi? Ah, merci. Oh, c'est pareil comme au Super Nintendo. Quoi? Maudite soit les déesses! Comment ose-t-elle prétendre que moi, l'écho parfait, je ne suis pas digne du pouvoir suprême? Toutefois, j'en ai reçu une partie. Si je récupère les deux autres, ma domination sera totale. Tu en possèdes une, toi aussi. Quant à la dernière, se pourrait-il que ce soit lui qui l'ait reçue? Malheureusement, et je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Je te prendrai ton pouvoir en dernier. Non! Mais là, on peut s'aller. Qu'est-ce qu'elle compte faire? La force 3 de la sagesse. Salut, Ekaz. Salut, Benji. Bonsoir, ça fait longtemps que je suis pas venu. Comment allez-vous ici? Tu fais-tu un live de 24 heures? Oui. Exactement. On est bientôt à... Ça fait 20 heures que je suis en live. Il reste juste 4 heures de stream. Non, c'est une blague. Nihil, c'est ce que Mog dit quand il fait des vagues de sang. C'est-tu vrai? Je sais même pas. Et j'ai la désagréable sensation que quelque chose d'horrible nous attend un peu plus loin. On va pas d'où ça sort, cette affaire-là, de 24 heures. Est-ce que c'est ça, avoir peur? En tout cas, tout ira bien tant que je serai avec toi, Zelda. Allez, en avant. Nous devons trouver le reste du pouvoir suprême. As-tu un Jamboree? Ouais, ça va être cool. Ben, mon niveau d'attente, il est, mettons, 7 sur 10. Là. Ça va être cool s'il y a du monde qui ont acheté le jeu puis on peut faire des parties. Là. S'il y a pas grand monde qui achète le jeu, ben, ça va être un flop. Je me vois pas faire des parties de Mario Party sur des plateaux tout seul.
J'ai pu sentir l'aura de Nihil quand il t'a attaqué, Zelda, et là, je ressens cette même présence. Je pense que cette masse sombre là-bas, c'est Nihil. Le pouvoir suprême doit être un peu plus loin. Viens, Zelda. C'est le dernier bout du jeu, C'est le dernier bout du jeu. Ça n'a rien, ça. Défonce tout, Mario Party, Jean Bourré. Non, nous autres, au Québec, on dit jambon-riz. Un bon Mario pâté jambon-riz. C'est un repas complet durant le temps des fêtes. Petit requin, là. Mais Mario Kart 9, lui, je sais pas. J'ai trop hâte à Mario Kart 10. J'attends pas de... Ouais, qu'est-ce qui arrive avec Mario Par... Mario Party... Mais qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'il y a avec Mario Kart... Mario Kart 9, il est déjà au vidange. C'est comme la mise à jour Windows, d'après moi. On skip. On skip déjà. On passe du 8 au 10. Je sais pas si je la jette, Jean-Bourré. Personne avec qui jouer. Allô, Jean? Allô? Allô, j'existe? On va se faire des dimanches? Pour vrai, j'attends de ramener peut-être les dimanches avec du Mario Party. Mais bon, est-ce que ça va être comme Mario Kart? J'ai des doutes. Personne avec qui jouer, qui dit, genre. Aïe, aïe. En même temps, bon, je comprends, c'est 80$. Je vous le dis, il n'y a personne qui va l'acheter. Tout le monde va être en mode, ben oui, mais là, ça coûte de l'argent. Je sais déjà que les places vont être full. Pas sûr, je ne mettrais pas ma main à couper, là. J'ai rien à faire là. Je devrais aller en ligne droite. Je prends le jeu, mais pas la Switch Online. Hein? Mais de toute manière, le jeu va venir avec 3 mois de Switch Online gratuit, genre. On va faire la même. Fait que tu peux y jouer jusqu'au temps des fêtes, au moins. Vous êtes pas renseignés, les gars. Vous êtes pas renseignés, là. Ouais, pour vrai. Là, c'est dommage. Il y a un mode 20 joueurs. Il va en avoir de la place. Mais non, mais... Le mode 20 joueurs, je sais même pas si on peut le... C'est du vrai Nintendo, là. Ils ont jamais communiqué, c'était 20 de tes amis, ou c'est genre des randoms? Ou c'est des échos? C'est des échos de... C'est des meilleurs temps. Dans certaines, ça me fait peur. Le 20 joueurs va sûrement sucer. Ouais, moi aussi j'ai un peu peur, là. J'ai un petit peu peur, là. Le 20 joueurs, j'ai un feeling que ça va être n'importe quoi, là. Vas-y. J'ai bien du mal avec le concept de payer pour jouer en ligne. C'est limite. Attends une minute, je suis comme perdu là. Quoi? Genre payer pour du online? Genre tu trouves ça c'est du vol? Mais payer pour un jeu online? C'est du vol?
Pas sûr de comprendre. On est juste encore à la bonne vieille époque Xbox 360 chez Nintendo. C'est quoi qui niaise, ça? Ouais, que je t'attaque. C'est suicidé. Pourquoi pas? Ce monde-là, c'est terminé. Il reste que t'achètes Mario Party. Pis t'as 3 mois d'online. Fait que c'est déjà pas pire, genre. Tu sais que à partir du mois d'octobre jusqu'à t'as mis genre octobre, novembre, jusqu'à mi-janvier, jusqu'à mi-janvier, tu peux jouer, genre. Es-tu sérieux? Mais... Je vais m'exploser dans la face. Nintendo, c'est quand même moins cher que la concurrence. Que ça soit 10$ par mois, c'est déjà trop. Ouais, mais t'es pas le genre de gars, mettons, qui va dépenser, genre, 90$ dans des skins, genre, Fortnite. No offense, là. Genre, mais c'est comme... Genre, le bilan total à la fin, genre. Ouais, ça finit... C'est ça, le online par année, ça revient à 20$ l'année, je pense. Je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais je me suis jamais senti volé, là. Genre comme, tu sais, comme... Après, c'est une vision de joueur Nintendo, là. Moi, jamais je vais payer pour des Season Pass pis en faire le même, là. C'est comme si j'ai envie de jouer un jeu, ben là, tu sais. J'y joue là, pis j'ai pas envie d'être... pogné à grinder pour débloquer 10 000 trucs. Nintendo en prison. Mais chacun voit ça comme il veut, genre. C'est ça la beauté du truc. S'il y en a qui préfèrent payer, avoir un jeu gratuit, puis avoir des season pass, puis payer, genre, je sais pas, 20$, puis grinder le jeu pendant, genre, 3 mois. Je niaise tout ça. Ben non, mais je sais, mais je pense qu'on niaise tout. Ben on niaise tout. Je pense que c'est une conversation qui est intéressante. Dans le chat, on a tout comme une consommation différente. C'est sûr que généralement, la majorité du monde ici ont une consommation Nintendo. Le pouvoir suprême. Alors, c'était bien toi le héros? Ça revient à 1,60 par mois, ouais. Je vais acheter Mario Party et Brothership, ouais. Non, mais là, mettons, on revient à... Tu sais, comme quand t'achètes le Mario Jamboree, genre, t'as 3 mois, genre, gratuit. Moi, je trouve que c'est bien, là. Ah, c'est lui! C'est Link! On l'a enfin trouvé. Ah, te revoilà. Je n'avais pas le temps de m'occuper de toi tout à l'heure. Mais cette fois, ta présence m'arrange. Le pouvoir suprême tout entier est rassemblé ici. Le grand Nihil va pouvoir l'engloutir au complet. Fait que finalement, Ganon n'existe pas. Dans ce jeu-là. Donc c'est un random. C'est passé?
Moi, je suis regardé vite, vite dans mes affaires que je porte sur moi. Ouais, c'est bon. Ah, qui est-ce qu'on pourrait l'enlever? On pourrait mettre ça. C'est bien compliqué. Ça va être de la phase 1, ça. Oh non! Elle est partie avec le pouvoir suprême. C'est dommage que Nintendo va en cours pour contre Pal World pour graphisme pareil, mais c'est pas du tout pour graphisme pareil. C'est parce que justement ils ont c'est le concept genre du d'une Pokéball genre. Enfin! Le héros! C'est le vrai? Il a l'air de l'observer. Link, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Je suis content. Alors, c'est vous deux, le héros de la légende et la prêtresse de la sagesse. Et le pouvoir suprême repose en chacun d'entre vous. Zelda et Link. Nihil a absorbé le reste. Chaque fragment du pouvoir suprême a une puissance incroyable, et nous devons vaincre Nihil. Nous devons unir nos forces pour reprendre à Nihil le pouvoir suprême dont il s'est emparé. Oh mais Link, tu n'as pas d'armes? Nous ne pourrons jamais vaincre Nihil comme ça? Zelda, rendons à Link les armes que nous avons récupérées. Pardon? Bien, rendons ces armes à Link et ensemble vainquons Nihil. Tu veux bien lui rendre ses armes? Oui, d'accord. C'est pas le vrai. Je suis sûr qu'on se fait avoir. Attends un peu. D'accord. Préviens-moi quand tu seras prêt. C'est pas légal de copier un gameplay si c'était capable de bien de faire la job. Ça fait 15 ans que les studios essaient de copier FromSoft puis ils sont pas capables. Ben en fait, c'est pas illégal tant qu'il y a pas de brevet. Genre. Je veux dire, il y a pas de loi qu'on... Tu peux pas empêcher genre quelqu'un de faire un... sauter dans un jeu vidéo. Tu peux pas empêcher quelqu'un de donner un coup d'épée. Là. Quand tu y auras rendu ces armes, tu ne pourras plus t'en servir. Oh, et autre chose. Je sens qu'une fois à l'intérieur, nous ne pourrons plus faire demi-tour. Est-ce que tu es prête? Oui. Très bien. Rends ces armes à Link. Ok, ça a l'air d'être le vrai Link. Allons-y. Quoi qui arrive à ce moment-là? Genre, on switch de perso? Non! C'est ça! Non! Tellement badass, il a même pas regardé en arrière. Hein, qu'est-ce que c'est ça? On dirait Jabou. Nous voilà à l'intérieur de Nihil. Le pouvoir suprême est un peu plus loin. Je le sens. Zelda, Link, en avant. Comment ça marche? Peux-tu switcher d'un à l'autre? Parti, gars. Complètement...
T'auras pas le 100%. Ha ha ha, mon colis. Oh là là, sans faire. T'as mis un coffre pour des vieux raisins. Ah shit, Gav! Les astucieux raisins. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec les chevals de mer puis toutes les astuces cochonneries qu'on ramasse? Toutes les coffres qui servent à rien. Dude, c'est comme si j'avais encore plus de bonhommes. Ah, mais là, fuck, on peut plus être Link, ça fait chier. C'est quoi, on va sortir mon robot rendu là? Faut comme l'occuper pendant ce temps-là. Ok, c'est bon. Bienvenue dans le destin d'une bébite. C'est ça, c'est carrément Jabou Jabou. C'est le nouveau Jabou Jabou. Non, il est enfermé. Oh non. Je crois qu'on ferait mieux de se séparer pour le moment. C'est comme ça que ça commence, les films d'horreur. Comment qu'on va faire ça? Je peux pas envoyer une merde attaquer, là. Attaquer, genre le mets le chien, c'est un peu de la merde ça. Il me faudrait le truc électrique là, je pense. Ah shit. Excellent. On peut aider notre Link, mais est-ce que notre Link a des cœurs? Oh, c'est donc bien nice. Mais pour vrai, rendu là... Faites un Zelda co-op. Ça existe déjà. Il y avait l'armure de Link ici, fait que c'était drôle. Son haut, Milly. Hein? Asti, je pense qu'il faut que je fasse. Je m'en rappelle plus. Faut que je fasse R, c'est ça? Je pense pas. Je monte pas assez haut. Non. Thank you.
Bien ça. Ok. Il m'a bloqué, le magicien. Viens ici, toi, que je te... sur mes nuages. Les deux en même temps, comment c'est nice. Pourquoi il vise pas? Pourquoi qu'il branle? S'en fout. Hein? C'est la première fois que je vois que c'est vraiment mal fait. La ligne va être du côté droit, ben oui, c'est comme... C'est moi qui l'ai écrit le jeu, c'est comme moi. Ok, viens t'en ici, Link, j'ai compris. Hein? Ça a été malade de pouvoir contrôler Link, hein? Ah, c'est ça, ok, ça va. Une minute. Comme ça. Du beau travail, du beau travail. L'idée est bonne, on n'a jamais vu ça avant, genre je trouve ça bon. Ouais, vous avez beaucoup aimé, vous autres, dans le chat? J'aime bien la date. Ah, on est réunis! Puis là, il y a un mec qui va apparaître, parce que c'est moi qui ai écrit le jeu, non, c'est pas vrai. Ouais, ça arrêtait pas pire, un... Là, ça donne le goût de jouer à un Zelda Coop, mais ça a déjà existé avant, les Zelda Coop. Sur 3DS, puis sur GameCube, ça a toujours été de la grosse merde. Mais avec les... Avec Zelda, comme ça, qui peut faire des trucs, genre. Puis un qui est plus orienté combat, ça pourrait être cool, genre. Ben, c'est ça, hein? Tu te rappelles, toi aussi, des Zelda Coop? Ça serait nice, un jour, que je set up de quoi, puis que je trouve du monde à qui jouer un Zelda Coop. On entend le cœur. Genre avec... c'est quoi déjà l'application, là? Parsec, là, je sais pas trop quoi. Jabou, hein, le boss. On va faire un OOT coop. Non, 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 mais un vrai, là, le vrai, là. Celui sur GameCube, là, qui joue à 4, là, je sais pas trop. La prêtresse est le héros. Alors, vous comptez me barrer la route? Voilà qui est contraignant. Encore une fois, vous êtes venu jusqu'ici et vous m'avez apporté le pouvoir suprême. Maudite déesse, elles m'ont tout pris. Je vais me servir de leur pouvoir pour tout anéantir. Yo, Ganon. C'est pas Ganon, le mec. Ah! Ainsi voilà le pouvoir suprême! Je sens la puissance déferler en moi. Ça, on dirait une grosse chauve-souris, j'ai un feeling là. Je sais qu'il va être une fusion entre une genre de chauve-souris puis le bonhomme dans Skyward Sword là. Oh! Oh my god! Oh mon dieu, on a tout fait ça pour rien! Oh pas la vache, mon NPC préféré.
Ah oui, eux autres, ils peuvent décrisser, par exemple. Quoi, ils rentrent même pas dans l'enfer, eux autres? Fuck! Je désinstalle le jeu. Nihil a ouvert des failles gigantesques! Et les villes, leurs habitants, tout est en train de se faire engloutir! Oh non! Je comprends à présent. Je comprends tout ce dont est capable le pouvoir suprême. Et pourtant, ça ne suffit pas. J'en veux plus, toujours plus. Je veux tout. Le pouvoir suprême est tout entier, je le veux. Donne-le-moi. Donnez-le-moi, en fait. Je suis pas arrivé à donner. Donnez-le-moi. Ah non, ça va être un gros nuage. Comme le... Ah non, pas du tout. On dirait qu'il y a des mains pis tout. Un scorpion, un... Non, ça... Hein? On dirait juste mon citron, mais version... Version mort. Bon. Si je pensais que j'étais Link pendant 2 minutes. J'étais comme, pourquoi je m'en vais là? C'est vraiment weird! C'était pas ça le but, là. Ah, ok, là je comprends. Genre, je sais, pis lui il court. Je comprends. Attention, c'est dangereux, viens-t'en ici. S'occupe de celle-là en premier. Ah shit! D'après moi, il fallait tirer ses mains. Ah, j'ai merdé. Là, je... Ok. Ouais, on dirait un boss qui était pensé en quoi. C'est vraiment étrange. Hein? La main. C'est la main qu'on veut pogner, ciboire. Coupe-la. Qui vise mal, mon bonhomme. Comment mon cœur, je suis radin.
Ok. Ce n'est pas assez. Et je n'ai jamais... Ce n'est jamais assez. Il essaie de s'échapper, il faut le rattraper. Ah non, qu'est-ce que c'est ça encore? On est juste Link, là, c'est tout ça? C'est nous autres qui jouons? Ah, c'est un boss en vue de 2D. C'est un shmup? C'est quoi? Elle a absorbé tous les petits amis. Putain, mais là, je suis dans l'eau présentement. Là. Et ça sert plus à rien, ça. Il me faut un autre affaire. Il me faudrait, genre, un... Il me faudrait... C'est quoi ça fait, ça? Ça fait rien. Plus de cœur. Bon, mais le fait de pas être repoussé, genre. Non, mais il me faut des... Il me faut quelque chose pour attaquer. Builder, ok. Pas clair, c'est pas ça. Je suis même pas sûr que j'ai fait quelque chose. Ok, je fais quelque chose. Bonne nuit, Dom. Faites beau rêve. Ah, déjà? Bonne nuit. Ok, c'est demain au bureau. Oh! Vrai gamer. Akira, merci beaucoup pour ton sub. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer! Merci beaucoup. Ah là, ça sent la fin, là. La phase finale. Il a absorbé tous les petits amis, d'après moi. Là. Ça ressemble à rien, ce boss-là. Ça ressemble à une grosse masse dégueulasse, puis c'est tout. Regardons ça.
Oh, hop, hop, ça commence, il y a quelque chose. Non, si j'ai pogné l'autre. Mais non, c'est pas ça qu'on veut faire. Aïe, 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 aïe. C'est le bordel, cette affaire. Non, c'est pas lui qu'on veut. C'est n'importe quoi. Ok, il l'a pété, c'est pas. Aidez-moi! C'est weird. Si bon. Ouais, trois gagnes. C'est le boss, ok, ouais, je le reconnais là. Oh! Il nous a bien eu! Ton attaque fait là, il l'a pas eu! Ton spin fait quelque chose! Ok. Ah, je pense qu'on l'a pas eu. Non mais mets pas la... Aïe, 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 c'est le bordel ce combat-là. Sortez-moi, je suis pas encore sorti de là. Allô? J'existe pas. Ok, ça a pogné le truc que je voulais pas. Ah, ça a pogné Link, je vais tout casser. Là, faut éviter la sacrament de main. Fais pas son spin. Aïe 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 aïe. C'est long, va être long ce combat. Combien? 6 Ganondorf? Ganondorf, qu'est-ce qu'il dit? Genre Ganon? Oui, Link. Viens t'en. Asti, il a rien fait. Ah,
Fais-nous un spin, fais-nous un spin. Fais-nous un spin. Il doit y avoir de quoi là, je dois tirer dessus, genre sûrement. Ah, il venait nous aider, ah ouais! QTE dans un Zelda, pourquoi pas? C'est la première fois que je vois ça. Un beau gros Dorito. Au revoir, Neil. On aurait dit une couille cancéreuse. Tu l'as lâché? Je l'ai pas lâché! Donnez-le-moi! Non. Donnez-le-moi! Non, t'es temps. J'ai, ouais, je pense que j'ai terminé le jeu, là. Ah oui. Vécure et partir à l'école ensemble. Je veux Milou. Encore. Ah oui, ça fait penser au DS. Ah, let's go. L'autre couleur. Et le bleu. Ah, on voit pas le bleu. Bon, ben, coudon. Vert et rouge. Wow. Pour les autres qui ont rien vécu, genre. Puis. Puis Link est où? Il a disparu. Arrêtez pas que je mette le costume officiel. Zelda, les failles vont disparaître et ton monde va redevenir comme avant. Mes amis et moi sommes venus ici pour refermer les blessures de ce monde. Maintenant que Nihil n'est plus là pour créer de nouvelles failles, il n'y a plus de soucis à se faire. Notre présence n'est plus nécessaire. Nous allons retourner nous reposer auprès des déesses. C'est ici que nos chemins se séparent. Qu'est-ce qui ne va pas, Zelda? Ah, c'est triste! Le monde est redevenu comme avant. Nous n'avons plus rien à faire ici, mes amis et moi. Tu n'as pas l'air contente. Oh, je comprends. C'est parce que nous ne serons plus ensemble. C'est vrai que c'est un peu triste.
J'ai le costume de Link, fait que Link a fini le jeu. C'est ça. Zelda, quand je te regarde, je sens une grande chaleur au fond de moi. J'ai envie de te parler de cette chaleur. C'est un sentiment de gratitude. Je ne comprenais pas ce que c'était avant, mais maintenant, je le sais. Je dois partir à présent. Zelda, c'est triste. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Tristoun, merci. C'est terminé, les petits amis! Là, je viens de voir que mon écran est sale. Ok, c'est bon. Y a pas assez d'écran blanc dans les jeux vidéo. Pour me rappeler de nettoyer mon écran. Allô? Link? Ok, bye. Ah, il est revenu! Il est revenu! Il existe encore! J'espère qu'ils vont nous mettre une belle petite musique, là. Link et Zelda se regardent pis parlent pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'était l'époque. New Game Plus avec Link. Hey, pour vrai, ça pourrait être cool. Ça me fait penser un peu à Symphony of the Night, Castlevania. Là. Tu joues avec Alucard, genre, qui doit monter de niveau, mais genre, t'as le New Game Plus avec Trevor Belmont, c'est ça? Non, c'est pas Simon Belmont? Non, c'est Richter. C'est Richter Belmont. Là, t'as pas de niveau, t'as juste ton fouet. Ça pourrait être cool, mais en même temps, je suis sûr que ça, le gameplay marcherait pas. Là. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi qu'il a dit? C'est quoi qu'il a dit? T'as rien à lire. Bah, c'est déjà ça. Pas de dialogue quétain. J'ai dit, je t'aime. Jouer Link, quelle idée. Le jeu s'appelle pas Zelda pour rien. Mon drink préféré, le jus de Zelda. Il a dit, Link, tu dois avoir faim. Qu'est-ce que t'as envie de manger? Des Zelda poulet! Ok, c'est bon. Ah, oh, c'est terminé! Ah, mais là, cette musique-là, je la connais. Ah non, c'est correct, ok. C'est le début de la musique. Ah, mais c'était bien. Je suis content. Je suis content d'avoir terminé cette Zelda-là. Ah, oh, puis on n'entend pas ce spectacle. Mais voyons, ça leur tentait pas de nous mettre ce spectacle-là avec de la musique, genre, puis tout le monde est content. Que genre la fin est un peu so-so. Hein. Ça finit, les bonhommes se parlent, puis y a pas de dialogue, ils sont là. Genre, mettez-nous une finale, tout le monde célèbre avec une musique, un comment t'appelles ça, genre un banquet, tout le monde a du plaisir, un party, quelque chose, je sais pas. Comme dans un album d'Astérix, je sais pas. As-tu beaucoup aimé? J'ai quand même aimé. Je pourrais pas dire si c'est un 10 sur 10, là. C'est un bon 9 sur 10. C'est pas mon Zelda préféré. C'est beaucoup de gimmicks. C'est la critique, là, la review, genre.
si j'étais journaliste de jeux vidéo. Il y a quand même un sentiment qui m'a accompagné tout le long du jeu, qui est le suivant. C'est que il y a quand même beaucoup d'échos qui existent, mais au final, on en utilise environ une dizaine, voire une vingtaine. Peut-être que oui, le joueur pourrait en utiliser plus, mais c'est pas tant porté à le faire que ça. Fait que ça pourrait être remplacé par n'importe quoi. Tu sais, comme les cases d'eau, là, que j'utilisais pour me déplacer pis tout. Ça aurait pu être une baguette dans le jeu. Pis mettons, ça aurait pu être Link, là, tu sais. Mais c'est cool d'utiliser genre n'importe quel écho pis de faire un peu son jeu à sa manière, tu sais. C'est... Après, ils l'ont fait une fois, est-ce qu'ils vont le faire deux fois? Je sais pas. Il y a un truc aussi, genre, que je trouvais un truc qui m'a dérangé. Je trouve que les donjons, la qualité des donjons est en dents de scie. Il y a des donjons, c'est... Comme le dernier donjon, il est pas tant... Genre, il est pas tant fou, là. Genre, le dernier donjon, je l'ai pas trouvé fou comme... Je sais pas, mon donjon préféré, ça reste celui des Mojo. Des Pestes Mojo. Il y a le donjon des Gerudo qui est bon. Mais le pire donjon, c'est le Temple de l'eau. Je comprends pas, c'est... Genre, c'est donjon enfant ou primaire, maternel, je sais pas trop quoi, là. Ligne droite, ok, c'est fini. L'autre, je sais pas. Je suis pas d'accord, j'en ai vraiment usé vraiment beaucoup que toi, vraiment, vrai. J'ai adoré tester. Non, mais c'est ça, on peut tester, on peut essayer plein de trucs, mais au final, je pense que le jeu peut se faire avec 10 échos, genre. C'est ça le point suivant, genre. T'enlèves la transformation de Link, t'enlèves les bonhommes qui attaquent, genre les chauves-souris pour les airs, t'enlèves les bonhommes, genre mettons les requins ou le linel ou les moblins, puis finalement t'as genre le moveset de Link. C'est juste que tu l'as pas ou tu l'économises parce que tu joues Zelda. Genre. C'est ça mon point, genre. C'est pas tant. C'est le fun une fois sur un Zelda, mais genre c'est pas une révolution dans le gameplay autant que Tears où genre vraiment tu peux faire des constructions. Tu peux coller genre des morceaux ensemble et tout là. Mais c'est cool. Pour du 2D, je trouve ça cool. Je sais pas si pour moi il surpasse Link's Awakening, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie avec Link's Awakening, avec la musique, avec le thème qui est mélancolique. Justement la fin je trouve est plus intéressante de Link's Awakening. Genre le méchant, je trouve, il était pas tant. Le boss de fin, il était pas tant fou là. On aurait dit juste une version noire de Tri, genre, qui nous accompagne. On aurait peut-être pu chercher quelque chose de plus poussé là, comme design. Je sais pas. Mais c'est pas une critique, genre j'ai détesté le jeu, là. Je vous dis juste comme les points qui sont pas genre comme. Sinon les points positifs, comme je dis, ben c'est ça, c'est le fun. Genre tu fais ton jeu à ta manière, puis ça donne une impression. Je dis bien une impression. Que tu résous ça avec genre les. Tu dis, ah Chris, c'est vraiment intelligent, j'ai pogné ça au début du jeu, puis ça c'est utile. Mais tu sais, genre, il y aurait pu, selon moi, utiliser un item classique. Moi, les automates, que j'ai trouvé complètement useless. Ouais, ben je les ai pas vraiment utilisés. J'ai utilisé 2-3 fois, mais ouais, j'aurais pu les utiliser. Quand j'ai vu qu'ils se brisaient, j'ai fait, ah, ça me tente pas. Je vais utiliser le mot gobelin, puis le. Le moblin, genre, c'est ça? Le moblin avec le bouclier. J'ai pas envie de me faire chier retourner voir l'autre là, pour le réparer. J'utilise facilement 80% des échos à différents. Non, mais on les a toutes utilisés. C'est pas ça le point. C'est pas qu'on n'utilise pas toutes les échos, genre. Je les ai toutes utilisées. Comme tu dis, j'ai utilisé 80% des échos. Mais au final. Le bread and. Ah, son frère, il revient! Attends une minute, ça, c'est peut-être l'une des meilleures histoires. Son frère, il revient, il y a une montgolfière au loin. Ok. Excusez-moi, genre, je viens d'allumer. C'est qu'au final, tu vas en utiliser une dizaine, genre, qui va tout le temps être. Puis de temps en temps, tu vas dire, ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-là, mais aller chercher la taupe. Ça dépend aussi dans l'ordre que tu les trouves. T'as abusé du linel. Et voilà, j'ai mal joué. J'ai pas joué au jeu de la bonne manière. Automatons, je les ai bloqués tard, mais le samouraï moblin est boss, ouais. En même temps, tu es la Zelda de Neverwinter. Tu as les mêmes compétences. Les chauves-souris sont vraiment bien utiles. Ouais, je dis pas qu'ils sont pas utiles.
C'est ça, j'ai dit. T'as besoin d'un guerrier terrestre, un guerrier dans les airs, puis les requins dans l'eau. C'est ça que je dis. Exactement ça, ça confirme exactement ce que je dis. Ça aurait pu être fou, ça aurait pu être fait comment? Ça aurait pu être fait avec Link qui tire avec son arc. Si vous le voyez pas, ça me dérange pas. Moi, je le vois de même. Pour les boss, tu utilises les mages de feu, électrique, glace, mais les chauves-souris sont meilleurs que les mages pour ça. Ben, j'ai-tu vraiment eu de la difficulté, pas vraiment. À la fin de Link's Awakening, c'est le pire de tous les Zelda. Ah ben, c'était juste rien. C'était juste un rien. Tout ce que tu as fait servait... Non, c'est pas ça, Guidoun. Zéro! Zéro, zéro, zéro. Je suis totalement pas d'accord avec ça. Link's Awakening, je trouve que c'est un des Zelda les plus mélancoliques à la fin. C'est que finalement, genre... Moi, de la façon que je l'interprète, Link's Awakening, c'est que, genre, tu te fais... Ton bateau, il tombe dans une tempête, puis tu tombes dans l'île des rêves. Puis à la fin, ben, pour revenir à la réalité, ben, tu mets fin aux rêves. Puis tout le monde, genre, disparaît à la fin. C'est hyper mélancolique, je trouve. Surtout pour l'époque, genre, on est en quoi? 93? Moi, ça me faisait sentir mal quand j'étais jeune. Là. C'est useless. C'est pas useless, c'est mélancolique. Ça dépend de chacun, de la sensibilité de chacun. Là, on est sur l'histoire. Là, j'ai pas du tout parlé de l'histoire. Là. Je dis juste que la fin de Link's Awakening m'a beaucoup plus bouleversé, genre, que, genre, cette fin-là. C'est la fin que tu t'attends, genre, d'un Zelda. Puis c'est tout à fait ça, c'est bien. Genre, je suis pas... J'ai même pas envie de les comparer les deux, tu sais. Des fois, de temps en temps, ils nous font une fin de Zelda où, genre, c'est du classique, tout le monde est content, puis tout ça. Puis il y a d'autres fins où, mettons, Link's Awakening, où c'est, genre, mélancolique, tout le monde disparaît avec le rêve. C'est, genre, c'est de la façon que je l'interprète quand le poisson rêve se réveille. Hey, don't know, je m'attache pas tant à la fin des jeux. Ouais, mais à l'époque, 93... Quand tu fais le jeu sur ta Game Boy, moi, c'est de la façon que je l'ai vécu. On n'est pas des adultes de 30 ans où on se tape, genre, 2-3 jeux par mois. Puis, genre, quand on a un jeu, ben, on le chérit beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, j'ai cette nostalgie-là avec Link's Awakening. C'est, si vous l'avez fait une première fois, vous avez eu 30 ans, vous êtes en mode, ça n'était qu'un rêve, ça sert à rien, genre. Ben oui, ben, c'est ça qui arrive. Là. Mais moi, genre, à l'époque, ça m'a beaucoup plus bouleversé. J'ai découvert l'utilité de la... Ben, il est pas vraiment utile, l'araignée, je trouve. C'est pas dire que t'as joué mal, c'est que de dire que ton gameplay est différent de quelqu'un d'autre. Non, c'est ça qui dit entre les lignes. J'ai pas bien joué. J'ai trop abusé, genre, du Linel. Mais si, genre, tu comprends où aller le chercher, puis tu tombes dessus, ben, c'est ça, man. Le jeu, il est de même, genre. Le gameplay est comme ça. Mon opinion du jeu est différente. J'aurais trouvé ça plate, moi, d'avoir 20 échos... Et pas chercher plus loin que ça. Mais je dis pas qu'il faut pas assez d'écho. C'est pas ça le point. Je répète ce que je dis. C'est que ça donne l'impression aux joueurs que les échos, il y en a 100, puis genre, c'est incroyable comme créativité. Mais au final, tout pourrait être amené vers des items classiques. C'est ça que je dis. Ça donne l'impression. J'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai même dit, c'est bien... Pour ce Zelda-là, je suis pas sûr qu'une deuxième fois, j'ai envie de revoir ce concept-là, genre, pour les Zelda. Ils peuvent revenir avec des items classiques. Je vais être bien d'accord avec ça. J'ai manqué de quelque chose, là, ça se pourrait. J'ai même pas regardé le cadre, c'était cool. Non, mais j'ai regardé le cadre, là. Il y avait le bâton, puis il était écrit fin. Il y a pas Zelda dans Link's Awakening. Ouais. C'était justement un des premiers Zelda qui prenait des libertés. Puis je trouvais ça intéressant, justement. Il y avait pas Ganon, il y avait pas le... Il n'y a pas Zelda, il y avait Marine et tout. Maintenant, j'espère qu'ils vont refaire des remakes de Recall of Age puis Season dans ce style. Ah, moi aussi, j'espère, hein? J'espère. Pas plus pire que Mario Bros. 2. Ça aussi, c'est un rêve. Ouais, mais là, tu décides. Tu sais, c'est comme rendu là, c'est comme dire Mario Bros. 3, c'est de la marde. C'est une pièce de théâtre. C'est Bowser puis Mario sont pas vraiment des ennemis. Genre, ils font juste jouer une pièce de théâtre devant tout le monde. Miyamoto l'a confirmé. Mario Bros. 3, c'est pas un vrai Mario, c'est une pièce de théâtre. Je suis pas en mode, je suis bouleversé en mode, ah, c'est de la merde. C'est tellement de la merde. Ils font semblant tout le long de ce crapoute.
Il écrapote des Goombas tout le long, c'est pour qui qu'il se prend, genre, ils m'ont... C'est comme la lutte, tu t'es arrangé? Ben, j'ai abusé du Linal aussi, ben, je dis pas que c'est... T'as tort. Non, mais c'est Hobo qui a dit ça. Je dis que je le vois pas de même, moi, je... Hobo a écrit plus haut. Alors là, mais quand je dis de quoi, c'est pas nécessairement que ça vise une personne, c'est Hobo qui a dit... Sur les boss que tu faisais les mâles, hein? Mais les chauves-souris sont... Comment il a dit ça? Yo, l'affaire du Linal, là, c'est plus haut. Ah, c'est ça. Ça dépend aussi dans l'ordre que tu les trouves. T'as abusé. T'as abusé du Linal. Il a pas dit, genre, t'as utilisé. T'as abusé du Linal. Ça veut dire que j'ai... Si t'abuses de quelque chose, ça veut dire que tu... Je sais pas, dans ma tête, quand quelqu'un me dit t'abuses de telle fonction du jeu, ça veut dire que tu joues mal ou genre, tu laisses pas le gameplay se faire découvrir. Ou ouais, mais j'en ai-tu besoin, tu sais? Je veux dire, je suis tombé dessus, puis à un moment donné, c'est ça, man. Genre, c'est l'évolution, genre, du truc, genre. C'est tout le temps comme ça. Tu pognes le niveau 1, le moblin, niveau 1. Niveau 2, puis là, tu n'utilises plus le niveau 1. Là, tu pognes le niveau 3, ben, tu l'utilises plus. Puis là, tu pognes le Linal, ben, tu l'utilises plus, genre. C'est tout. Mais le but, c'était justement de pas revenir aux items classiques et de sortir de ce moule. Exactement. Exactement. Je suis pas contre la formule qui est là. Je répète, hein. Je répète. Je suis pas contre la formule qui est là. Je trouve ça cool qu'elle ait visité cette idée-là, genre. Autant nous que Nintendo, on sait maintenant qu'est-ce que ça donne, genre. De copier, genre, des objets puis de les utiliser comme on veut pour les puzzles, les énigmes dans le jeu. Sauf que, force à de jouer à ce genre de jeu-là, cette formule-là, en tout cas de la manière qu'ils l'ont faite, tu te retrouves à utiliser une dizaine d'échos au final. Principalement. Puis de temps en temps, ah, t'as marre, je vais aller chercher celle-là, ça fait longtemps. Puis finalement, 10 devient 15. Puis t'en as, genre, 100 dans ton... Je dis 100, je sais pas combien. Genre, 60, 80, je sais pas comment qu'on en a. Puis finalement, ça pourrait être un item classique. C'est une gimmick, c'est ça que je vous dis. Genre, c'est bien correct que ça existe, c'est cool, ça donne la saveur au jeu. Je suis pas contre le jeu, hein. 9 sur 10. On appelle ça une critique, les gars. Genre, j'essaie de donner mon point de vue, puis à rentrer en profondeur, mon avis... C'est pas grave, là, tu sais. Parle des échos, c'est deux commentaires séparés. Ok. Là, je sais plus, Catherine, je sais plus. Là, il y a comme trois conversations en même temps. C'est quoi que j'ai... C'est quoi ton point? Si c'est dans le jeu, c'est pour que tu l'utilises, c'est pas abusé. Exactement, c'est ce que je pense. Puis si tu le pognes au début, ben, tant mieux pour toi, genre. Puis si tu le pognes pas, ben, c'est tant pis pour toi, genre. Je me sens pas visé personnellement, j'essaie pour une fois de participer à convo débat. Ok. Encore une fois, il y a bien des items classiques que tu utilises pour seulement un donjon. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça existe. Ça, c'est une question de bien équilibrer les jeux. Je pense c'est étonnant, là. Un des Zelda qui est le mieux équilibré pour des items, ok? Que des fois tu te dis, what the fuck, c'est un donjon-là. Écoutez bien, là. C'est un Zelda que j'aime pas du tout, là. Zelda Skyward Sword, il est très bien équilibré pour les items. Genre, des fois, tu pognes un item dans un donjon, puis ça va te demander d'utiliser un ancien item que t'as pogné dans l'autre donjon, puis là, tu le mets en combinaison avec cet item-là que t'as pogné pour le donjon, puis c'est... Ça faisait ça aussi avant, mais je trouve qu'il est vraiment bien équilibré. Ça m'a... Là, je pourrais pas vous prendre des exemples, ça fait 2 ans que j'y ai joué. Mais ma conclusion, c'était ça. J'étais, what? Les donjons sont pas si pés. Puis la façon qu'on utilise les items dans les donjons, c'est c'est vraiment bien, genre, dans Skyward Sword. Mais le jeu, c'est de la merde, genre. Niveau histoire, niveau gameplay, genre, mécanique, là, on parle vraiment contrôle du jeu avec les Wiimote ou les sticks, l'épée, pis tout. C'était de la merde. Puis niveau rythme, c'est de la merde. Mais là, on rentre pas dans Skyward Sword, parce que là, genre, je vais pas me mettre à défendre 3 Zelda, là, mais... Pour moi, c'était genre un 8. C'était un 8 sur 10, là, genre Skyward Sword. Même après le HD Remake. En gros, tu veux pas un Echo of the Wisdom 2. Exactement, j'en veux pas, genre. Je pense qu'ils vont trouver d'autres choses. Je sais, mais on est là, puis c'est ton chat, donc on discute. Ouais, je sais, mais c'est mon avis. Genre, je donne mon avis, puis il y a des idées qui se confrontent. Puis moi, je vous dis, je ressens pas du tout la même chose que certaines personnes qu'est-ce qu'ils ont écrit. 7 sur 10, c'est la note que IGN donne au jeu 4 sur 10. Hein?
Puis mon opinion est pas la même. J'ai vraiment pas utilisé l'eau comme toi. Exemple. Ah ouais, c'est ça. Chacun fait son jeu comme il veut. Mais ça aurait pu, genre, grosso modo, genre, vu que j'ai utilisé l'eau partout, genre, dans le jeu, ça aurait pu être juste une baguette, puis genre, être une mécanique de ce jeu-là. Genre, mettons, ça aurait porté Water of the Wisdom, ou je sais pas, genre, tu sais que je sais pas, moi, genre... Mais oui. Enfin, bref, c'est mon avis. J'y donne un 9 sur 10. La mécanique était comique. Après, genre, s'ils font ça pour chaque Zelda, ben... Je suis pas sûr que je vais être... Je pense que j'aime ça quand ils changent à chaque fois de gimmick, genre. J'aime ça quand ils revisitent l'idée derrière chaque Zelda. Fait que j'ai hâte d'être... j'ai hâte d'être surpris. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Et voilà. Voilà mon avis sur le jeu, les amis. Puis là, il s'en va 23h. Je sais pas. On fait quoi? Je sais pas. Il a même pas retourné une game, mais qu'est-ce que je peux que je fasse? Je m'allais voir le lit? Faut se coucher dans le lit? Il y avait quelques nouveautés. Ah ouais? Ça, c'est la nouvelle affaire. Faut retourner dans le jeu maintenant. Ben non. Iron Meat? Ouais, je sais pas. Peut-être demain, Iron Meat, là. Arriver, genre, plus en forme. Collection Echo, à présent, tu peux voir ton nombre de fragments de cœur, d'écho et d'autres objets dans ton encyclopédie ou en appuyant sur Y. Si tu parles à l'arbre Mojo, il te dira dans quelle région il reste des échos. Pourquoi à fin? J'ai fini le jeu. Ça te donne quoi? Les échos pas encore mémorisés. Ah, ça c'est con, ça. Pourquoi ils font ça, là? Voyons, c'est pas ça qu'il faut faire, genre. Faut le faire avant la fin du jeu. Là, il y a une étoile qui dit que ta game est finie, ouais. Vous voyez, ça, je trouve que c'est une erreur. Genre, donne-moi le pas après, genre, c'est quoi le but? Genre, y a pas d'intérêt de faire un New Game Plus. Même pas, y a même pas de New Game Plus. Le 100%. C'est comme déjà, juste avant de rentrer dans le dernier temple, on pourrait, genre, parler à l'arbre Mojo. Alors, te voilà, prêtresse de la sagesse, je sens que tu as bravé bien des épreuves, aidé par le pouvoir des échos. S'il y a des échos que tu n'as pas encore mémorisés, je peux t'aider à les localiser. Bien, puis-je faire quelque chose pour toi? Où sont les échos? Entendu, je vois. Un écho dans la tourbière de Firon. Il semblerait qu'il te reste encore des échos à mémoriser. Moi, je pense savoir c'est quoi, là. Ça doit être le genre d'œil. L'œil qui lance des lasers que j'ai pas été capable de pogner. Là. C'est l'œil, ouais. Nintendo sont pourris en post-game. Non? Non. Mario Odyssey, c'est bon. Ben, c'est-tu vraiment un post-game? Ça dépend, je sais pas. Tu peux finir Mario Odyssey, genre, normalement, tu sais. Puis là, tu retournes faire tes étoiles et tout. Mais ça, c'est weird, genre. Je pense qu'il est là. Lui, Link, il reste dans l'intestin. Pour le 100%, oui. Tu peux voir, t'en as combien? Il m'en manque un, les gars. Il m'en manque un. Ouais, c'est l'œil. On va le faire pour vous, là. Le post-game de Peach Showtime. Mais c'est même pas intéressant, Peach Showtime. Ça existe pas, les gars. Il y en aura pas de ce jeu-là. C'est fini, genre. Personne va en parler. À la fin de l'année, là, il y aura même pas un prix, ce jeu-là. Le jeu de Peach, là, ça va tomber dans l'oubli, je l'espère.
Bon, il est où la chose qui est là? Comme Mario versus Donkey Kong. Genre déjà à l'époque Mario versus Donkey Kong, il est même pas dans un top 10 de jeux Game Boy Advance. Tu vois sur YouTube, il y a personne qui le met dans un top 10. Tu sais, c'est correct qu'il l'ait remake, là, genre, ils se sont dit, on va essayer de quoi, genre. Je sais pas s'il est là. Non, je pense pas qu'il est là. Je pense qu'il est plus par là-bas. Genre, mettons-le. J'en reviens pas. Il m'en manque juste un. Est-ce de bonne job? Il aurait dû remake de Donkey Kong 94 à la place? Genre le... Le jeu de Game Boy? C'est même pas là. C'est peut-être pas le bon temple. Je pense que c'est pas le bon temple. Je pense que c'est pas le bon temple. Il me faut le temple. Ah, il faut tout se retaper le chemin. Non, tu peux sortir? Ouais. Je dis la tourbière de Féron, pas le temple. C'est le stage 4. À gauche? Je glisse la map. Non, mais là, on est sorti, c'est pas grave. Moi, je suis sûr que c'est l'œil, mais je m'en rappelle plus, il est où l'œil? Là, t'es sorti. Tu t'es sorti. C'est-tu ce temple-là? C'est-tu les ruines cachées? Tâche 4 du donjon à gauche. À gauche? Le donjon à gauche? Pas clair. La prison? Dans le donjon où t'es sorti. Ah ouais? Se trouver dans une grotte? Genre là, mettons? Il est là, l'œil? Je sais même pas pourquoi je fais ça, là. Il y en a deux places. Le pas ça te tente. Ben attends, on va juste le faire pour voir qu'est-ce que ça donne. Hein. On va voir qu'est-ce qu'il va dire, l'arbre mojo. Hein. Tant qu'à faire, tant qu'à pas savoir quoi faire. Genre là? C'est pas sûr. Tududududu. Bon, mais on va retourner dans le donjon où j'étais d'abord. Le quatrième étage. Moi, j'étais allé le chercher dans le donjon. Ok. Spin. Y a pas de quatrième étage. Hein?
rez-de-chaussée? Y'a pas de quatrième étage? C'est quoi cette affaire-là? Étage 4 du donjon à gauche. Attends, mais on est pas dans le... Je suis pas dans le bon truc. Je rentrais à droite. L'entrée principale. Genre là. Droite bas. Droite du bas, ok. Ah, il est là, l'œil, ok. Peut-être qu'il faut le tuer d'une autre façon. C'est une énigme. S'il y a moyen de renvoyer, genre... Ah, peut-être ça. Un œil contre un œil. Un œil contre un œil. Ouais, je vois vraiment pas. Ouais, qu'il casse quelque chose. Je sais pas. Ah ouais, j'ai une bombe peut-être. Il est craqué. Ah, faudrait, mettons que je le tue. Ok, attends une minute, je vais essayer quelque chose. Une bombe avec une bombe. Aïe aïe. Oh ouais. Donc bien étrange. Ça, c'est étrange, les gars. Là, comment qu'on sort d'ici?
genre là. Écrit changer de carte. Je pensais que ça changeait juste. Attends. Changer de carte. Ah. J'avais jamais sorti du. À chaque fois que je faisais les flèches, ça me donnait tout le temps juste comme la, l'extérieur du donjon, jamais la map principale. Avec l'épée, ça marchait aussi? Là, on est vraiment 100% pour de vrai, là. J'ai hâte de voir comment je me sens quand je vais parler à l'arme Mojo, là. Attendez, moi, vous dire comment je me sens, là. Manquez pas ça, le chat. Je me sens comment, là? Bien, puis-je faire quelque chose pour toi? Où sont les échos? Oh, il semble que tu as déjà mémorisé tous les échos. Je n'ai plus rien à t'apprendre, sans surprise! Tu es bel et bien la prêtresse de la sagesse. C'est incroyable, je me sens sage en l'intérieur. Le chemin qui se dresse devant toi est semé d'embûches, moi, à présent. Là, ok. C'est pire qu'une crotte dorée. Il n'y a rien, finalement. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien partout. Ah, OK. Il faut vraiment retourner par là. Je vais aller me sauvegarder à côté de Link. Comme ça, si jamais j'y rejoue, ben, je serai à côté pour faire la fin. Mais là, t'es prêt pour avoir un speedrun du jeu. Ouais, c'est quoi le speedrun? C'est quoi le temps, là, présentement? Je suis curieux. As-tu le boss de fin à hard? Moi, je l'ai pas trouvé vraiment intéressant, le boss de fin. Genre, j'ai préféré les combats dans le dojo. Dans le dojo dodo. Je trouve que c'était plus corsé, genre. Eh ben. Hey, ça, ça a pas rapport. La clé de la prison, puis la carte de monde, ça a tellement pas rapport. Puis, comme, pouvez-vous juste m'enlever ça de la fiche principale puis mettre ça genre dans les collectibles en bas, les objets? C'est juste weird. Ça a aucun... Tu sais, comme, il devrait déjà être noirci de même, genre. On a fini le truc, noircis-moi ça, bye-bye, genre. Ah, puis j'ai oublié le flacon avec les fées, tellement je suis jamais mort. Sinon, le reste est classique, j'aime ça, genre. C'est un peu laid d'avoir mis ça de même, mais genre... Ça monte ça, hein? 127 sur 127, incroyable. Puis les automates, 6 sur 6, waouh. Ça fait unpolished sur certains... Ouais, c'est ça, hein? C'est comme ça fait, genre, comme on dirait, qu'ils ont fait ça à la dernière minute, puis on dirait au début même, puis ils l'ont jamais enlevé. C'est weird. Bon. Puis les recettes. Ah, toutes les recettes. Non, pour vrai, les recettes, faut s'arrêter, là. Trop de plaisir comme ça, là. Ça tue le plaisir, là. Trop de plaisir, ça tue le plaisir. Faut que je m'arrête, là. J'ai donné 9 sur 10 au jeu.